Salut à tous et bienvenue. Alors je suis ici en Espagne à la soirée de gala que Iveco organise. À cette occasion, eh bien, ils vont nous présenter toute leur nouvelle gamme. Alors quand je dis toute nouvelle gamme, ça va du Daily jusqu'au S-Way et même leur version toute électrique. Donc je pense que ça va bientôt commencer. Je vous invite, on va regarder tout ça en image. Allez, c'est parti. Chaud hier soir. Ouais, c'était génial. C'est vraiment un lancement exceptionnel puisqu'on lance toutes les gammes en même temps, Daily, Eurocargo et S-Way, la gamme lourde. Alors sur le Daily, effectivement, on va retrouver une nouvelle suspension pour gagner de la charge utile. On propose toujours le Daily GNC et le e-Daily également va être renouvelé pour cette nouvelle gamme MY 2024 avec encore plus d'autonomie. Aujourd'hui, on était jusqu'à 3 batteries sur le e-Daily. On va proposer une 4e batterie pour augmenter l'autonomie de ce véhicule et proposer également des solutions de recharge rapide jusqu'à 115 kW. D'accord. Et donc, alors, gamme moyenne, on est là maintenant sur l'Eurocargo avec une nouvelle chaîne cinématique, une nouvelle motorisation. Oui, tout à fait. Donc, l'Eurocargo va également évoluer, notamment sur le gaz. On va proposer un Tector 7 CNG. Donc pour couvrir vraiment de nombreuses applications, on va avoir trois niveaux de puissance, 220, 250 et 280 chevaux. Et on va élargir l'offre gaz sur cette gamme moyenne pour aller du 12 tonnes au 19 tonnes. Et puis bah, le fer de lance de la marque Iveco, c'est le S-Way. De la nouveauté aussi pour ce véhicule. Alors on parle de S-Way, mais ça va aussi s'étendre au X-Way et au T-Way, qui est l'approche chantier, et T-Way la version chantier de notre gamme lourde. Mm-hmm. On va avoir beaucoup plus de personnalisation sur le véhicule. On a un agrément de conduite et un poste de conduite qui est complètement renouvelé, donc un agrément de conduite très fort pour le conducteur. Et en termes de chaîne cinématique, ça va aussi beaucoup évoluer. Donc sur la gamme, aussi bien sur la gamme diesel que gaz, on va avoir un tout nouveau moteur C13, donc 13 litres, qui va remplacer le 11 litres et le 13 litres actuel. D'accord. Donc on va nommer XC13 et qui va nous permettre de gagner en consommation et en TCO. Donc on va aller de 460 à 580 chevaux et le 460 a déjà un couple de 2500 Nm et le 580 un couple de 2800 Nm. Donc on est vraiment sur un agrément de conduite qui est beaucoup plus important. Et puis là on voit apparaître maintenant les mirror cam. Tout à fait, donc on a la possibilité d'avoir les rétro caméras en option, hein, ça reste de l'option, mais effectivement c'est disponible. Sur toute la gamme, évidemment, on va intégrer tous les éléments du GSR2, hein. GSR2B, une série de caméras et de radars qui vont nous permettre de vérifier les angles morts à l'avant, sur les côtés, derrière le véhicule. Vous avez pensé au conducteur, mais vous avez également pensé au transporteur ou chef de parc. Oui, tout à fait. Donc on a à bord, pour le conducteur, une application qui permet d'avoir vraiment toute la connectivité concentrée en une seule application. Donc la possibilité de vérifier ses scorings de consommation de carburant, gérer toutes les fonctionnalités du bed module pour la vie à bord. Et en parallèle de ça, effectivement, pour le back office, pour le gestionnaire de flotte, on a également une solution qui s'appelle IvecoAn avec un portail dédié pour suivre les consommations, les activités des conducteurs et les nouvelles fonctionnalités liées au GSR2B, c'est-à-dire liées à la sécurité. D'accord. Et puis bah, bien sûr, la version S-E-Way, donc version électrique. Chez Iveco aujourd'hui, enfin hier, on connaissait le diesel, le gaz. Aujourd'hui, on va aussi parler d'électrique et proposer une solution alternative en tout électrique, donc BEV, avec un S-E-Way qui est équipé d'un moteur de 480 kW et de 9 packs de batteries qui vont jusqu'à 738 kWh d'énergie embarquée. Donc vraiment une très grosse autonomie sur ce véhicule, jusqu'à 500 km.
Ok, et ça c'est grâce notamment au e-axle, on va dire, à l'essieu arrière électrique qui libère de la place pour mettre plus de batterie. Exactement, un e-axle proposé par FPT, donc qui va effectivement nous permettre de nous passer d'arbre de transmission et de pouvoir loger autant de batterie que possible dans l'empattement.